Merci beaucoup, docteur Job Duval, pour votre intervention. Merci également aux trois témoignages que nous venons d'entendre. Avant de passer aux questions avec la salle et avec le chat, moi, j'ai invité nos deux témoins également à intervenir et à une première réaction au regard de ces trois interventions. Merci. À la fois sur les interventions des médecins, mais également des patients qui ont pu témoigner de manière vidéo en début de séquence. C'est intéressant, on avait une neurologue, un néphrologue et un cardiologue, et ça illustre bien que pour s'occuper d'amylose, il faut être multi-spécialité, hein. Faut être un peu hémato, un peu cardio, un peu neuro, un peu interniste, un peu néphrologue, et ça c'est vraiment très riche au niveau médical, et ça demande des gens qui aient l'esprit ouvert pour s'occuper des amyloses. Alors je confirme que à Lyon, il y a vraiment une dynamique assez impressionnante. Hein. J'étais très content d'être à cette journée à Lyon où il y avait beaucoup de médecins de spécialités différentes qui étaient dynamiques et qui étaient passionnés par ce sujet des amyloses. Donc ça, c'est vraiment trois bons exemples, hein, les trois villes où il y a une collaboration entre les spécialistes. La difficulté, c'est toujours de trouver des gens qui ne soient pas débordés et qui veuillent bien prendre du temps pour faire des réunions et pour discuter des cas des patients. Moi, je vais peut-être faire un petit mot sur les témoignages des patients. Je pense que certains témoignages, c'est plutôt pour nos autorités de tutelle qu'il faudrait les donner, puisque les délais de rendez-vous, ce n'est pas toujours du fait des médecins, c'est aussi qu'on est peu nombreux pour animer toutes ces filières qui sont très riches, effectivement, puisqu'on discute avec de multiples spécialistes. Mais on est parfois limité par le nombre de médecins qui s'amenuisent. Et donc, les hyper spécialistes sont aussi plus difficiles à joindre. Voilà, donc vos exemples d'organisation sont très intéressants. Je trouvais que, oui, vous avez beaucoup, beaucoup de complémentarité. Donc, on va essayer de prendre exemple. Nous, on est quand même en lien pas mal avec les cardiologues et eux animent leur filière TTR et nous notre filière AL, un peu moins avec les neurologues, même si on sait à qui les adresser. Par contre, plus avec nos périphériques et peut-être pour ce que demandent les patients, on fait pas mal d'HAD et de transferts de chimiothérapie en périphérie. Voilà, mais je pense qu'on est tous complémentaires et qu'on a tous à apprendre de chaque organisation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Alors moi, j'avais déjà une première question là pour nos trois intervenants. C'était sur, vous avez beaucoup parlé de l'organisation locale au sein de vos structures hospitalières, mais on a vu, ne serait-ce qu'au début de cette journée, qu'il y avait d'énormes difficultés au diagnostic, déjà en périphérie, en fait, finalement, et puis d'adressage. Est-ce que ce réseau, il s'étend à vos... Est-ce que vous avez, en plus de votre réseau de spécialistes multidisciplinaires au sein de vos structures, est-ce que vous avez un réseau à l'extérieur de vos structures de soins qui vous permettent d'avoir des échanges réguliers? Alors, Antoine, tu en as un peu parlé au travers, excuse-moi, effectivement, des spécialistes que tu as cités. Mais pour les autres, est-ce que vous avez un réseau comme ça qui vous permet, justement, de renvoyer vos patients pour un suivi en toute confiance, notamment? Alors à Lille, je me permets, on a commencé nous aussi avec un réseau qui s'appelait Amylo Lille, qui est devenu Amylo Nord. Donc ça montre qu'on essaye de rayonner en effet pour avoir des correspondants dans tous les hôpitaux généraux. Alors on a fait fonctionner nos filières, je vous parlais de ma filière maladie rare plutôt nerf. Les cardiologues ont fait fonctionner leur filière maladie rare plutôt cœur pour essayer d'avoir dans chaque hôpital général un référent. Et donc, on a des petits binômes cardio-neuro et même des trinômes hémato, parce que j'ai moins parlé des AL, où là, en effet, ce n'est pas tout à fait les mêmes circuits, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il faut aller plus vite au traitement. Mais dans chaque CHG, on essaye d'avoir cardio-neuro-hémato, néphro, et donc d'aller faire de la formation continue dans ces hôpitaux généraux pour justement aussi renforcer les liens localement. Parce que bon, des fois, les gens qui travaillent à côté qui ne se parlent pas forcément. Et donc là, de les mobiliser sur l'amylose en particulier, c'est pour que chaque hôpital soit finalement assez autonome dans sa prise en charge, qu'on puisse venir en tant que CHU apporter une expertise si besoin, mais que tous les dossiers ne soient pas forcément systématiquement référés au CHU si le diagnostic roule et que c'est facile et que tout le monde a compris un peu les enjeux. Et nos RCP, comme ailleurs, hein, on a évidemment bénéficié des outils, hein, maintenant, des outils connectés, et la plupart des, que ce soit les libéraux ou les hôpitaux généraux, peuvent se connecter à nos réunions de discussion pluridisciplinaires et présenter leurs dossiers. Donc ça a facilité quand même la vie, les Zooms et les Teams.
Nous, sur Lyon, on va quand même... maintenant, moi, je m'appuie beaucoup sur... c'est grâce à Pfizer, mais avec son mentorat, où on a des... maintenant, on rencontre des cardiologues de périphérie qui n'étaient pas identifiés pour moi comme étant des correspondants formés à l'amylose. Donc, ils sont formés via ce mentorat. Et donc, du coup, derrière, on peut... voilà, on les connaît, on sait qu'ils ont été formés, ils ont les bons réflexes, on a leur numéro de téléphone. Donc, on peut maintenant avoir une prise en charge beaucoup plus fluide entre nous pour qu'on renvoie les malades vers leur cardiologue de proximité, identifié comme étant formé à l'amylose. Et puis, eux aussi peuvent nous contacter plus facilement pour discuter d'un patient sans forcément l'adresser, mais pour avoir notre avis. Donc, programme de formation permettent quand même aussi d'assurer, et puisqu'on en fait partie, on voit comment c'est fait, puisque c'est nous qui assurons les cours, on voit comment c'est fait dans de très très bonnes conditions, une grande rigueur, et donc les médecins sont extrêmement bien formés, et ça permet de mieux faire un bon maillage territorial pour améliorer la prise en charge et être certain que quand on renvoie le malade dans un périphérique, il est tout de suite bien pris en charge. Donc ça, c'est vraiment une chose très très importante. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la difficulté, elle est finalement plus du tout sur l'aval. Elle est en amont finalement du cardiologue de ville qui va détecter assez rapidement, en tout cas dans la région. Le cardiologue de ville qui n'a pas entendu parler d'amylose, il n'existe pas. Et comme le disait tout à l'heure Thibault, finalement, la difficulté, elle est plus en amont auprès du médecin généraliste. Que le médecin généraliste y pense, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, mais au vu de la croissance du nombre de patients atteints, que ce soit par l'amylose AL ou par l'amylose ATTR, le médecin généraliste finira par entendre parler de cette maladie et finira par renvoyer plus facilement. Aujourd'hui, il y a donc quand même dans la région beaucoup de cardiologues et beaucoup de cardiologues qui sont très bien formés à l'amylose. Et donc, je suis sûr que cette partie-là aussi va s'améliorer dans les mois et années qui viennent. OK, merci. Et j'ai perdu ma question. Il y a des questions sur le chat. Non, sur le chat, il y a deux questions qui se regroupent un peu sur des spécialités, entre guillemets, qui sont moins, qu'on pourrait croire moins concernées. Et donc, il y a une question sur le pneumologue, la place du pneumologue dans ce type de réseau et la place de l'ophtalmo dans ce type de réseau. Alors, on sait qu'il y a des atteintes aux ophtalmo. Et du coup, la question, c'est est-ce que vous avez réussi dans vos réseaux à impliquer ces spécialistes, sachant que même pour ces spécialistes-là, ils envoient très rarement et ça peut être plus difficile de les faire entrer dans cette dynamique. Est-ce que vous y êtes parvenu et comment vous faites pour les maintenir intéressés à votre dynamique amylose ? Si vous y êtes parvenu. Non. Je vais parler de l'ophtalmo parce qu'on a la chance en effet d'avoir trouvé une ophtalmo passionnée, le docteur Tran, pour lui rendre hommage, qui participe à toutes nos réunions et qui essaie de voir assez systématiquement tous les patients pour mieux décrire les atteintes rétiniennes. Les atteintes vitréennes sont bien décrites déjà et donc aussi d'apporter son expertise aux ophtalmos de la région qui le souhaitent. Pneumo, c'est vrai qu'ils sont moins sollicités. Il y a pas forcément, c'est pas forcément l'organe le plus atteint dans l'amylose, sauf sur les amyloses locales. Voilà, je sais pas dans les autres centres comment vous travaillez avec les pneumologues. Mais... Si je peux intervenir de notre côté, le réseau qu'on a créé ensemble n'épargne personne et n'écarte aucune spécialité. Donc, on a un pneumologue référent, qui est le docteur Grégoire Prévost, qui est hyper spécialisé dans l'amylose, qui draine toutes les amyloses de la région, effectivement, avec un certain nombre d'amyloses locales, mais des fois des discussions quand même sur la nécessité d'un traitement systémique, sur des amyloses de patients jeunes, graves. Et donc, là-dessus, sur le versant pneumologique, il n'y a pas de problème. Sur le versant ophtalmologique non plus, mais il y a notre collègue interniste, qui est Grégory Punier, qui participe à une consultation médecine interne ophtalmo, je crois toutes les semaines ou tous les 15 jours, où il est amené à voir l'ensemble des pathologies dysimmunitaires qui peuvent toucher l'œil, dont de temps en temps le dépistage d'amylose. Et par ce biais, on arrive à récupérer un certain nombre de patients qui sont ensuite pris en charge dans le réseau quand ils en ont besoin, bien sûr. Ouais, je pense que la dernière phrase est importante. C'est des patients qui vont déjà être très suivis avec beaucoup de spécialistes, etc. C'est bien qu'on ait localement des réseaux d'expertise pour toutes les spécialités, mais il faut à chaque fois personnaliser. C'est pas la peine que le patient voit tous les spécialistes du centre si il n'a pas d'atteinte d'organes évocatrices. C'est déjà des suivis très lourds et très complexes. Oui, exactement. Ça, je suis tout à fait
D'accord, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a créé les choses comme ça. Moi, je les vois, par exemple, le cardiologue est juste à côté, il le voit dans la foulée, même en urgence, même s'il n'y a pas de rendez-vous, il se débrouille toujours, et pour ça, ils sont formidables. Les chimios sont faites dans le service, la participation à l'RCP d'hémato permet de référencer en hématologie les thérapeutiques, et on communique énormément par téléphone pour gagner du temps, mais tout est centralisé. En fonction de la pathologie, moi plutôt les AL, Grégory Pugnet et Olivier pour les TTR, etc. Enfin, en fonction des tableaux. Merci. Il y avait une question dans la salle, il me semble. Oui, effectivement. Alors, c'est une question de patient. Donc là, je vois que Toulouse, Lille, Lyon donnent des exemples de réunions pluridisciplinaires pour la prise en charge des patients. Je désirais savoir, parce que je n'en vois pas là, mais je sais que j'ai le médecin cardiologue qui me suit, le docteur Bauduit, qui normalement est présente aujourd'hui. Comment ça se passe dans le sud-est? Parce que lorsque j'ai vu le docteur Bauduit récemment, justement, je posais des questions concernant la réunion pluridisciplinaire qui avait eu lieu pour mon cas, et elle m'avait répondu ben, « je n'ai pas de contact ». Avec la partie neuro de Pasteur. Donc chez nous, en tout cas, ça n'existe pas, ce type d'organisation. Donc je voulais savoir s'il pouvait y avoir une réponse à ce sujet, s'il vous plaît. Alors ça dépend ce que vous appelez le Sud-Est. En tout cas, d'un point de vue neuro, il y a une organisation territoriale au sein de la filière maladies rares. Il y a Marseille, Nice, Lyon, Saint-Étienne, Limoges, pour ne citer que. Après, il y a des centres de compétences. Tout le monde n'est pas centre de référence, mais normalement, il y a au moins un correspondant près de chez vous qui est spécialisé dans les atteintes nerveuses de l'amylose. Je peux me permettre de répondre. Donc, bonjour, je suis le docteur Bauduit, je suis cardiologue au CHU de Nice. Et donc, je remercie mon patient d'être là et d'être très intéressé, très impliqué dans la prise en charge de son cas et de sa pathologie. Donc, peut-être que je ne me suis pas exprimée très précisément. On a des neurologues qui sont très intéressés dans la neuropathie héréditaire amyloïde. On a des contacts avec eux. Maintenant, on a toujours cette problématique dans la thérapeutique des atteintes mixtes cardio-neuro qui rend les décisions plus difficiles à prendre sur les thérapeutiques. Maintenant, nous avons des contacts présentiels avec des réunions, nous avons des contacts par mail, par téléphone. Donc, nous avons déjà discuté avec sa neurologue, le docteur Puma, de son cas, suite à la consultation que j'ai eue avec le patient récemment. Donc, rassurez-vous, nous discutons de votre cas et nous échangeons sur les problématiques des dossiers plus compliqués. Merci. Bon, je peux vous demander aussi, déjà c'est très bien que tout est coordonné entre les différentes disciplines. Je n'ai pas entendu parler d'un gastro-entérologue. Est-ce que ça fait partie de vos comités de coordination? Oui, je pense pour tout le monde, on n'a pas forcément cité toutes les, mais sur les atteintes diarrhée et constipation, en effet, on a besoin des gastro pour les traitements symptomatiques et même parfois pour des problématiques nutritionnelles surajoutées. Oui, également, hein, c'est vrai que on a la chance, entre guillemets, le service de médecine interne a aussi une compétence de gastro-entérologie, donc c'est un peu les mêmes correspondants et ça permet de mieux fédérer, mais plus largement, le réseau, en tout cas régional, s'est tellement étendu que aujourd'hui, même les gastro-entérologues de la région en ont entendu parler et arrivent à nous orienter les patients sans passer évidemment automatiquement par le gastro-entérologue référent. On a notre gastro, effectivement, également. Une question sur les... Oui. Des RCP du patient précédent, c'est vrai que c'est souvent un reproche parce que nous, on est noyés sous les réunions, sous les RCP, etc. On a nos conclusions qui ne sont pas forcément rendues tout de suite aux patients. Et puis eux, de l'autre côté, ils les attendent vraiment avec impatience. Et il y en a de plus en plus de patients qui demandent aussi à être présents à ce type de RCP pour voir comment on présente leur dossier. Est-ce qu'on ne minimise pas telle ou telle atteinte? Alors bien sûr, c'est complexe parce que les RCP, il faut que ça aille vite et qu'on passe pas mal de dossiers. Et si d'être synthétique, ce n'est pas évident. Mais il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à l'avenir aussi comment intégrer ou un représentant de patient, ou etc. dans nos réunions de discussion qui sont riches.
Oui, une question relative aux spécialistes de proximité. Alors, si tous les patients n'ont pas vocation à être suivis par les centres experts, on préfère quand même être suivi par des experts. Donc la question est de savoir si le spécialiste de proximité peut être labellisé pour qu'on soit certain, dans le fond, qu'il ait toutes les informations nécessaires au suivi de ma pathologie. J'avais une question. Pour répondre, je ne sais pas, mais je voulais poser une question. Mais, enfin, tu voulais répondre peut-être, Agnès, non ? C'est compliqué quand même pour l'association de labelliser tous les médecins généralistes, spécialistes, etc. Et le problème en tant que spécialiste, c'est que les choses vont tellement vite quand même que c'est impossible de... C'est ce qu'on a dit, hein, c'est, on est expert, on connaît un truc, mais on ne connaît rien, et etc. Donc on peut, enfin, pour la réponse à votre question, ça va être difficile. Moi, je voulais juste intervenir sur un autre point, c'est qu'on a quand même... En tant que spécialiste de l'amylose, un souci, c'est l'hétérogénéité des symptômes et des phénotypes de la maladie qui fait que chaque patient a une propre maladie et une propre altération de tel organe, et qu'on est vraiment gêné, en fait, puisque toute la médecine dans les centres experts est organisée en silos. Donc le cardiologue va s'occuper du cœur, le neurologue va s'occuper des nerfs, ainsi de suite. Et on voit, en fait, dans le développement de ces réseaux régionaux, qu'on arrive justement à partager des connaissances et des compétences pour pouvoir orienter les malades. Mais c'est quand même, ça prend beaucoup de temps, en fait, à un spécialiste d'une maladie d'aller voir et d'interroger le patient sur tous ses symptômes pour savoir à quel collègue il doit l'orienter. Mais on est obligé de faire une orientation à la carte. Je crois que c'est important, comme il y a beaucoup de patients, de comprendre que c'est vraiment... on est obligé de faire un traitement à la carte et que ça rentre jamais dans le menu du restaurant. Il y a tellement de menus que tellement de choix que c'est difficile. Mais si on veut traiter les patients le mieux possible et améliorer leur qualité de vie, il faut vraiment aller dans ce bilan. Donc, pour essayer d'améliorer les choses, je fais un peu de pub, mais avec Mounira Karoubi, on a fait un auto-questionnaire pour les patients. Auto-questionnaire qui permet aux patients de remplir avant la consultation ce questionnaire et qui va permettre d'avoir un recueil de tous ces symptômes qui va bientôt être mis sur le réseau Amylose, de tous ces symptômes pour qu'on n'oublie pas, et avec un lien avec la qualité de vie, pour qu'on n'oublie pas de prendre en charge et faire gagner du temps au spécialiste qui est totalement débordé et qui va permettre de guider l'orientation sur les autres médecins spécialistes des centres. Voilà, merci. On peut quand même... Merci Thibault, pardon. Mais pour répondre quand même à ce patient... notre principe de l'organisation en réseau, c'est quand même de bien se connaître. Et on communique bien ensemble, et nous, on connaît bien les collègues avec qui on travaille dans la région, et les collègues nous connaissent bien, et ils se connaissent bien eux-mêmes. Et souvent, le collègue nous dit, il n'y a aucun souci, je m'en occupe, ou il nous dit, bah, j'aimerais bien que tu le revoies. Donc, des fois, on revoit les patients en alternance, il commence ses traitements, on le voit un mois, deux mois, voire tous les six mois, en alternance avec le collègue de la région. Et puis, dans d'autres situations, le collègue nous dit, écoute, le patient est grave, il a besoin d'un suivi d'expert, il a besoin de voir les cardiologues qui sont à côté de vous. On le prend en charge au début dans le centre et on voit comment ça se passe. Donc, tout est possible, mais le fait de travailler en réseau permet quand même d'optimiser cette prise en charge. Et il ne faut pas croire, voilà, les patients sont quand même globalement bien pris en charge à partir du moment où le diagnostic est posé. Je pense qu'on a tous confiance dans nos réseaux, et en effet, on connaît les points faibles aussi, les endroits où il faut peut-être être plus vigilant, mais le travail de proximité, ça permet quand même d'avoir une réactivité plus importante pour que le patient soit vu plus vite, plus, et puis qu'il ait moins de transport, parce qu'on a tous des régions quand même très étendues géographiquement, et il ne faut pas négliger que voilà, 2 heures de transport fois 2 pour juste une consultation avec le spécialiste, parfois le spécialiste de proximité fera aussi bien de manière moins fatigante. Donc, Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a une dernière question pour l'Assemblée. Alors, il y a des questions sur le chat qui sortent un tout petit peu du cadre. Vous aurez les réponses au cours de la journée. Si jamais il n'y a pas les réponses, j'y répondrai moi-même. Merci à tous pour vos interventions. Merci pour ces témoignages. Merci aussi des patients. Et on va pouvoir faire une pause. Merci.